Le 6 mai dernier, alors que son compagnon devient président de la République, Valérie Trierweiler va prendre à témoin la France entière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a sur la scène donc, de la Bastille les trois protagonistes de notre histoire. Hein. Donc, accolade chaleureuse de François Hollande à Ségolène Royal, mais au fond, franchement, elle vous a pas choqué, elle m'a pas choqué. Et là, qu'est-ce qui se passe quelques secondes après? Eh bien, on a Valérie Trierweiler, dont le visage a blémi quand elle voit cette accolade chaleureuse, et qui attrape François Hollande et qui lui dit, mais dont les lèvres disent devant la France entière, devant des millions et des millions de téléspectateurs, embrasse-moi sur la bouche maintenant. Et là, on a la première injonction du quinquennat. On a, si vous voulez, c'est la scène inaugurale. Tout est dit dans cette scène-là. L'affaire du tweet survenu un mois plus tard a-t-elle été le dernier épisode de cet incroyable feuilleton ?